secrets d'une vie. Les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Ferme son équipe et ton cas. Ush, ush, l'équipe et ton cas. Ush, ush, l'équipe et ton cas. Ush, ush, l'équipe et ton cas. Ush, ush, Alger, Paris, Bagdad. Ouais. Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui les gars, pardon, on se retrouve pour un glitch de tenue. Ne pas avoir la même tenue que moi, comme vous pouvez le voir à la vidéo. Donc pour commencer ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements. Donc là, moi pour ma part, je vais prendre une tenue pour faire le glitch. Donc je vais prendre la tenue bronzage, comme ça je vais pouvoir faire le glitch avec vous. Donc là, pour commencer le glitch, vous allez devoir vous rendre dans les hauts. Dans la catégorie des hauts, vous allez vous rendre dans les t-shirts de trafic armé, un truc comme ça. Et vous allez devoir rechercher le t-shirt trafic d'armes, le beige. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc c'est là, si vous avez un parachute comme moi, vous allez pouvoir le tirer. Une fois le parachute tiré, vous allez mettre la protection par balle. Donc c'est la militaire, donc celle-ci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre dans les pantalons. Dans les pantalons, vous allez vous rendre dans la dernière catégorie qui est les salopettes. Et vous allez prendre la salopette beige. Et là, comme vous pouvez voir, en prenant les salopettes, la salopette passe à travers le gilet pare-balles. Donc ça fait une petite tenue un peu glitchée comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre la salopette beige. Vous allez ensuite vous rendre dans les chaussures. Donc dans les chaussures, vous allez devoir vous rendre dans les bottes. Et vous allez devoir mettre les bottes désert, je sais plus trop quoi. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc celle-ci. Donc une fois que vous avez mis les bottes, vous allez pouvoir vous rendre dans les... Vous allez vous rendre dans les gants. Et dans les gants, vous allez devoir prendre les gants beige. Donc si je me rappelle bien encore du nom, c'est... ça va être les gants beige. Donc je pense que je vais un petit peu galérer à les trouver. Mais si c'est comme pour le reste des tenues, ça sera les gants beige qu'il faudra prendre. Donc on va attendre. Là je fais un petit tour encore. Vous voyez, j'ai galéré comme je vous le dis. Mais je pense bien que ça va être les gants beige qu'il faudra choisir. Donc en fait, c'est les gants qui vont être assortis avec la tenue. Donc... Ouais, voilà, c'est les gants beige. Donc une fois que vous avez mis les gants beige, vous allez vous rendre dans les chapeaux. Donc juste avant, vous allez mettre un masque. Donc c'est le masque, pardon, Bigness Camouflage. Donc c'est aussi le masque qui a sorti avec le reste de la tenue. Donc là, vous allez vous rendre dans les chapeaux. Et dans les chapeaux, vous allez vous rendre dans les chapeaux en toile. Et vous allez mettre le chapeau en toile beige. Donc c'est tout beige. Il y a tout qui va... Il y a tout qui va s'assortir, en fait. Il y a tout du beige, en fait. Voilà, et là une fois que vous avez mis ça, vous allez vous rendre dans les lunettes. Dans les lunettes, vous allez pouvoir vous rendre dans les lunettes de sport. Et vous allez prendre donc les lunettes que vous voulez. Donc moi je pense que j'ai pris les lunettes hors la loi beige, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc celle-ci, voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça pour la tenue. Donc là la tenue, elle est pratiquement finie. Donc là pour l'instant, vous allez aller enregistrer la tenue. Donc là voilà, on enregistre la tenue à un emplacement. Une fois qu'on a enregistré la tenue, on va devoir prendre une tenue avec le sac des braquages pour faire le glitch. Donc là vous allez reprendre un hélicoptère et vous allez faire le glitch pour transférer le sac des braquages sur notre tenue. Donc là voilà, donc j'attends que mon personnage tombe et dès qu'il tire son parachute, je sélectionne la tenue. Et là il vous reste plus qu'à aller enregistrer la tenue. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.